On nous fait comprendre que lorsque Jean est arrivé sur les bords du Jourdain, pourtant, on était vraiment en banlieue, n'est-ce pas ? Banlieue de Jérusalem. Eh bien, immédiatement, il a eu la police religieuse sur le dos. Et chacun sait que finalement, il vaut mieux avoir la police religieuse, il vaut mieux avoir la police civile que la police religieuse sur le dos. Eh bien, c'est ce qui s'est passé à ce moment-là. Et donc, l'évangile que nous venons d'entendre est une scène d'interrogatoire policier ou interrogatoire des gendarmes. On veut savoir ce que vous faites là, on veut savoir pourquoi vous êtes là, on veut savoir au nom de qui vous parlez. Si on ne sait pas ça, ça pourrait mal se passer, plus que 135 euros, d'ailleurs puisque ça s'est terminé par la décapitation. Donc vous le voyez, frères et sœurs, cette scène n'a rien d'une gentille introduction littéraire pour nous faire marquer la différence entre Jean-Baptiste et Jésus. Ce n'est pas une scène de, comment dire, il faut bien présenter les personnages quand on va écrire une pièce, n'est-ce pas ? On appelle ça une scène d'exposition. Eh bien, ce n'est pas une scène d'exposition. C'est vraiment une scène dans laquelle on est en train d'interroger un homme parce qu'il annonce, parce qu'il prêche et parce qu'on veut savoir exactement quels sont les tenants et les aboutissants de sa prédication. Eh bien, c'est ça, Jean-Baptiste. Et ça lui a coûté très cher. Pourquoi ? Eh bien, pour comprendre la gravité de cette scène, qui nous paraît, j'allais dire simplement, bon, une sorte d'interrogatoire de routine, n'est-ce pas ? Non, pas du tout. Il s'agit de comprendre quelle pouvait être l'ambiance au cœur même du peuple d'Israël au moment où Jean commençait son ministère, quelques mois avant celui où va commencer celui de Jésus. Et c'est pas simple, car à cette époque-là, il faut le savoir, la grande question était pas simplement comment ça va finir, ça on n'en savait rien, mais quand est-ce que ça va finir ? On pourra retourner le problème dans tous les sens, mais quand on a envie de comprendre sa vie, on a envie de comprendre l'avenir. C'est comme ça. Vous pouvez tourner le problème dans tous les sens, même maintenant où nous ne pouvons pas prévoir à plus de quelques jours à l'avance la manière dont nous fêterons Noël, n'est-ce pas ? On voudrait savoir comment ça va finir. Espérance eschatologique du vaccin. Eh bien, oui, nous en sommes là. Nous en sommes dans cette situation humaine où les humains, humainement, individuellement, collectivement, veulent savoir comment ça pourrait finir. Et à l'époque qui est décrite ici, plus que jamais, en fait, ils étaient persuadés que ça devait finir. Ça allait finir. On était à deux doigts que ça finisse. Et la plupart, j'allais dire, non pas s'en réjouissaient, mais en tout cas, auraient préféré ne pas mourir idiot. Et donc savoir à quelle sauce de la fin des temps ils allaient être mangés. Alors, ils posent des questions. Et la première, c'est, nous comprenons, es-tu le Christ ? C'est-à-dire, on attend Jésus, est-ce que c'est toi ? Pas du tout. Est-ce que tu es le Messie ? Le Messie, c'est vraiment le marqueur majeur de la fin des temps. Donc, si tu es le Messie, on a la réponse. Donc, nous allons petit à petit ouvrir une enquête pour savoir si ce que tu dis, c'est bien vrai. Il dit non, c'est raté.
Alors on lui dit, mais est-ce que tu es Élie ? Qui était Élie ? C'était celui qui devait revenir pour annoncer que ça allait commencer, cette fin des temps. Donc c'était très important. S'il était Élie, ça veut dire que ça y est, nous étions dans la dernière étape finale de l'histoire du monde. Évidemment, on n'avait pas encore imaginé qu'on mourrait tous étouffés dans les gaz de serre. Donc, ici, ça allait s'arrêter. Et pas tout de suite, mais Élie allait donner le signal. Si c'est Élie, alors ça va arriver. Dit non. Alors, est-ce que tu es Moïse ? Moïse, c'est la même chose. Quand Moïse revient, à ce moment-là, le monde entier va être mis à feu et à sang pour accueillir le Messie. Dans un cas comme dans l'autre, Élie ou Moïse, remarquez-le bien, les deux personnages qui sont apparus aux côtés du Christ au moment de la transfiguration, Élie et Moïse annoncent la même chose. Ils annoncent la fin du monde. Vous voyez d'ailleurs, entre parenthèses, que quand on a des gens un peu dérangés qui veulent absolument nous prédire une date de la fin du monde, là, cette psychose n'est pas d'aujourd'hui. Elle est assez profondément enracinée dans la tradition juive de l'époque. Donc, c'est ça l'affaire. Mais alors, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, premièrement, on attend la fin du monde. Ça, c'est une conviction à cette époque-là. Vous ne pouvez pas imaginer, beaucoup de gens étaient complètement décontenancés par la tournure que prenait l'histoire, un peu comme nous aujourd'hui, n'est-ce pas ? Ils étaient complètement décontenancés par la tournure que prenait l'histoire, et donc, d'une certaine manière, ça ne devait pas tarder à tourner vinaigre. On devait y arriver à un moment ou l'autre. Première chose. Mais deuxième chose, à partir du moment où Jean dit que non, alors que si les Juifs de Jérusalem et les pharisiens sont allés s'enquérir auprès de lui, c'est parce que déjà sa prédication pouvait avoir une saveur de ce type. Jean, pensait-on, était peut-être quelqu'un qui prêchait la fin du monde. C'est pour ça qu'on lui pose ces questions-là. On ne lui demande pas pourquoi tu n'es pas marié ou autre question qui, à ce moment-là, était parfaitement négligeable et inutile. Non. Est-ce que tu ouvres la fin des temps ? Or, il répond non. Alors, s'il répond non, comment le traiter, lui, d'abord ? Et pourquoi il insiste tant sur le fait que ce n'est pas le moment ? Donc, pour le lecteur de l'Évangile qui lit ça, ça veut dire quoi ? Ça veut dire Jean, celui qui a été le disciple de Jésus, celui qui a même été le disciple de Jean, donc qui connaît fort bien et les deux personnages, avec le recul de 50 ou 60 ans, pas loin, qui connaît très bien les deux personnages, qui connaît leur prédication, leur relation mutuelle, eh bien, il dit que Jean n'inaugurait pas la fin des temps. Donc, s'il n'inaugure pas la fin des temps, qu'est-ce qui va se passer ? Évidemment, la lecture que nous avons, nous, spontanément, c'est de dire, ben, il va se passer une chose simple. Et c'est que c'est Jésus qui va inaugurer la fin des temps. Mais précisément, ça se passe sur le mode d'un interrogatoire. Il faut contrôler cette affaire. Le clergé de Jérusalem et les pharisiens n'ont pas envie de céder sur la question. Il a répondu négativement, mais la question reste. Qu'en est-il de la fin des temps ? Eh bien, Jean, d'une façon extrêmement habile, reprend cette affaire et dit, ben voilà, je vais vous expliquer dans l'Évangile que la fin des temps n'est pas arrivée.
La plupart du temps, on n'y pense pas quand on lit l'évangile de Saint Jean. On se dit, ben voilà, il nous raconte la vie de Jésus, c'est très très bien, il y a un happy end, c'est la résurrection et tout va bien. Pas du tout. C'est le début d'un processus qui s'ouvre, qui est d'ailleurs d'une certaine manière déjà ouvert, mais sur lequel on n'a aucune réponse. On ne sait pas. Et qui va continuer pendant tout le temps de la vie de Jésus. Car la fonction, le but de la vie de Jésus, c'est d'ouvrir un temps nouveau. Mais ce n'est pas de fermer le temps. Ça peut paraître subtil, mais pourtant c'est quand même bien ça. Qu'est-ce que c'est que la vie chrétienne ? C'est accepter que nous n'ayons pas la main sur la finale du temps. Nous ne maîtrisons pas le temps. Le symbole par excellence, c'est l'incapacité de gérer notre mort. Eh bien là, c'est un peu la même chose à la puissance de millions, puisque ça concerne tous les individus humains. Jean nous présente cet évangile, il va nous présenter la figure de Messie en nous disant « Mais vous savez, vous n'aurez de toute façon pas le dessus sur votre temps, sur votre époque, sur votre histoire collective ou personnelle. Vous ne la maîtriserez pas. Qui pourrait croire aujourd'hui parmi les chrétiens que nous avons la maîtrise du temps et de l'avenir de notre planète. Certes, on voudrait faire des tas de gestes de bonne volonté, de sagesse, de réflexion, mais nous n'avons pas la maîtrise du temps. Et donc, le temps est ouvert, la fin des temps n'est pas bouclée. Le temps actuel que nous vivons n'est pas un temps fermé. Vous allez me dire que ça avance. Mais précisément, ça montre directement le paradoxe de tout l'évangile de Saint Jean et d'une certaine manière de toute la vie de Jésus comme celui qui vient sauver l'homme. Est-ce que le salut de l'humanité ferme le temps des hommes ? Est-ce que la mort et la résurrection de Jésus, même si c'est l'accomplissement des temps, est-ce que ça ferme l'avenir de l'humanité et de chacun d'entre nous ? Ça pose cette question dramatique, mais extrêmement importante. Comment vivons-nous la foi ? Comment vivons-nous notre appartenance au Messie ? Sommes-nous les partisans de quelqu'un qui a résolu le problème ? C'est Marx qui a inventé le grand soir. Et pas Jésus. C'est les idéologies modernes, de quelque origine qu'elles soient, qui ont inventé que, ça y est, c'était la fin. Précisément, si nous étions vraiment chrétiens, nous dirions sans cesse que non, je ne suis pas le Christ, je ne suis pas Moïse, je ne suis pas Élie, je ne suis pas là pour boucler la fin des temps. Donc, vous le voyez, frères et sœurs, à la fois, c'est un paradoxe, c'est de la provoque. C'est-à-dire, mais c'est la vérité. On ne peut pas gérer le temps et l'histoire comme s'ils nous appartenaient et que nous ayons les signes même que ça allait se casser la figure. C'est pas vrai. Inutile de vouloir faire ça. Ça nous conduit au fatalisme, à l'erreur. En réalité, ce que Jean-Baptiste nous dit à ce moment-là, et ce qu'il dit aux pharisiens et aux autorités de Jérusalem qui voudraient bien contrôler le temps, enfin, si on en juge par tous les écrits de cette époque-là qui nous annoncent les catastrophes universelles, c'était la passion de l'époque, de savoir comment ça finirait. Ça dure encore un peu d'ailleurs, hein, reconnaissez-le. Nous avons toujours des plumitifs qui nous décrivent une certaine fin du monde. Mais précisément, l'évangile et l'évangile de Jean ne marchent pas dans cette combine. Et alors, c'est pire que ça. Et là, c'est ce qui nous introduit directement à Noël.
c'est que non seulement on ne sait pas quand est la fin des temps, mais on ne sait pas qui est le Messie. Vous allez me dire que j'exagère un peu, parce que nous savons tous ici que c'est Jésus, puisqu'on est là, donc c'est lui. Oui, d'accord, mais comment connaissons-nous le Messie? Est-ce que nous le connaissons comme quelqu'un dont nous avons effectivement le compte-rendu de police des autorités de Jérusalem et des pharisiens pour nous dire qui il est? Reconnaissez, frères et sœurs, que ce n'est pas tout à fait le cas. Croire que nous connaissons le Christ, c'est un peu prétentieux. Précisément, c'est pour ça qu'il faut le croire. On ne peut pas l'identifier. Et c'est ça que Jean avait aussi comme mission. Il était la voix qui crie dans le désert. Une voix, c'est quoi? C'est ohé du bateau, c'est au secours, SOS. Mais le SOS ne vous dit pas, ne vous envoie pas la photo d'identité des gens qui sont sur le bateau en train de couler. Jean-Baptiste pousse un cri. Il dit, attention, il va se passer quelque chose, c'est pas la fin des temps, il va se passer quelque chose. Et donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, ce que la liturgie nous demande, ce n'est pas d'accumuler les certitudes et les données informatiques sur le fichier de Jésus ou de Jean-Baptiste. Ça, nous n'y pouvons rien. Nous n'avons pas beaucoup de données. On en a quand même, plus que tous les autres personnages de l'Antiquité, ça c'est vrai. Mais on n'a pas beaucoup. Et surtout, Jésus n'est pas venu nous apporter la clé de la fin des temps. C'est pas vrai. Il est venu dire qu'il inaugurait une dimension nouvelle de notre vie qui devait mieux nous préparer à la fin des temps. Mais lui-même a dit à la fin de sa carrière, si je puis dire, personne ne sait quand est-ce que ça va arriver, pas même le Fils. Moi, je ne le sais pas. Alors, comment voulez-vous le savoir ? Vous allez me dire que je vous désespère un peu. Eh bien, je voudrais terminer quand même par une comparaison optimiste. Quand un enfant naît, bon, on ne va pas lui demander s'il est Moïse ou s'il est Élie, hein, ce n'est pas la peine, il s'en fiche, et nous aussi d'ailleurs. Mais quand un enfant naît, on ne sait rien de son avenir. Bon, c'est sûr, peut-être qu'on sait et quel est le portefeuille d'action des parents, ou des choses comme ça. Mais sur lui, on ne sait rien. On ne sait pas quel va être son avenir. Eh bien, c'est pour ça que Jésus a voulu naître, si je puis dire, incognito. C'est pour ça qu'il a voulu aller à la rencontre de Jean-Baptiste, incognito. Dieu entre incognito dans notre vie. Content, pas content, il faut s'en contenter.